Salut tout le monde, c'est Megafantos, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Battlefield Hardline. Oh oh! En tout cas je pensais pas vous faire une vidéo tout de suite sur ce jeu, mais c'est venu plutôt que prévu. J'avais du coup, comme je vous avais dit, si je l'avais dit en tout cas, un second gameplay en réserve. Donc fallait bien le proposer, c'est aujourd'hui. On est du coup sur la map Hauteur d'Hollywood. Avec la car... ça c'est une bonne question. La car 456 peut-être. Je sais que c'est la car. Mais les chiffres après... comment vous dire que je ne sais pas trop. En tout cas j'adore vraiment cette map Hauteur d'Hollywood. Elle est vraiment magnifique. Au niveau du mode de jeu je crois que c'était encore de la MME. Comme la dernière fois du coup. Il faut savoir du coup que la car... En tout cas quand j'ai fait ce gameplay... Ce qui date d'encore pas mal de temps, je peux vous dire, vu que c'était presque quand j'ai eu le jeu en mai-juin. Donc ouais, ça commence vraiment bien à dater. C'était une arme qui était exclusive du coup à une édition, aux éditions spéciales du coup d'Hardline. Bon maintenant, normalement, elle est disponible pour tout le monde, de toute façon, cette arme. Mais ouais, c'est une arme plutôt intéressante, avec vraiment une très très grosse cadence. Donc t'as moyen de bien enchaîner, et surtout, vraiment, elle a un chargeur assez immense, surtout pour... C'est plus une mitraillette, parce que t'as pas vraiment mitraillette, il suffit d'assaut dans le jeu. Donc des fois c'est assez difficile de distinguer, mais c'est plus une mitraillette, ouais. En tout cas, moi pour moi c'est une mitraillette, vu la cadence qu'elle a. Voilà. Et au niveau du skin un peu de l'arme aussi, voilà, elle est pas trop imposante comme le serait un fusil d'assaut. Enfin, on va pas non plus aller dans des débats pour dire... C'est 556, ok. Car 556, on retient, et on dit pas de conneries. Donc ouais, vraiment une arme que j'ai appréciée. Je sais pas après. Je l'aime peut-être un peu moins que la CWR que je vous avais proposé la dernière fois dans le premier gameplay. Mais c'est quand même une arme très très potable. Et là, j'ai vraiment hâte de pouvoir rejouer à Battlefield Hardline. Parce que normalement, d'ici, mais très très peu, c'est Noël déjà. Pour moi en tout cas. Et vous sera peut-être passé, alors ouais, ce sera sûrement passé de toute façon, quand vous verrez cette vidéo. Mais du coup à Noël, j'ai mon disque dur, et je pourrai du coup réinstaller Battlefield Hardline sur ma PS4, et ça va faire plaisir. J'ai hâte d'y rejouer, j'espère que le jeu est pas trop déserté par contre, parce que les critiques sur ce jeu, ça y va. Hein. Les gens, ils n'aiment pas trop ce Battlefield Hardline en général, surtout les puristes de Battlefield. Donc ouais, ça fait un peu mal, parce que du coup... Ça résulte qu'il n'y a pas... je vais pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs, parce que moi-même je l'ai pas vérifié. Mais il y en a sûrement moins peut-être que sur Battlefield 4. Hein. Voilà, donc ça c'est un peu chiant, mais bon. Faut faire avec. Quoi vous dire du coup dans cette vidéo où je n'ai même pas préparé de sujet. C'est comme ça, à la freestyle, comme d'habitude, mode freestyle activé. Qu'est-ce qui va? Ouais, je pense, qu'est-ce que je vais faire, tiens, sur Battlefield Hardline dans les prochaines vidéos. Alors déjà, pour indiquer, parce que vaut mieux l'indiquer, voilà. Faut savoir que vraiment, les vidéos de Battlefield Hardline, j'y sortirai comme ça, quand je veux, en termes de vidéos bonus. Donc ça sera sûrement soit le mercredi, soit le samedi. Mais ce sera vraiment pas une vidéo par semaine de Battlefield Hardline. Même si là, normalement, du coup, cette vidéo sortira cette semaine, en tout cas pour moi. Et vu que c'était samedi dernier qui s'est sorti la précédente vidéo sur Battlefield Hardline, ça fera une vidéo voilà, tous les semaines. Mais bon, après, je pense que ça va un peu se calmer. Donc voilà, mais j'essaierai quand même de vous proposer pas mal de Battlefield Hardline. La vidéo pas énormément plus, je peux vous avouer, la première vidéo du coup. Il n'y a pas eu énormément de vues. Bon, moi je fais pas ça pour les vues. Mais j'ai vu que ça plaisait à certains. Donc moi ça plaît à certains, je vais continuer. YouTube, de toute façon, je le fais pas pour les vues, je m'en fous, mais vraiment, royalement des vues, oh là là, ça me passe au-dessus de la tête, je m'en fous, mais tant qu'il y en a, voilà, qui aiment, je le propose, hein, moi ça me fait plaisir de toute façon, et puis voilà, c'est pas de toute façon en regardant les vues, voilà, que tu vas avancer. Par exemple, il y a le mec, tu vois, il va faire, je sais pas combien de vues sur une vidéo Call of, et il fera beaucoup, mais alors beaucoup moins de vues sur une vidéo Battlefield. Il fera que du Call of parce qu'il pense qu'à ses vues. Si c'est le cas, moi je vous propose que du mêlée général avec tous les armes. Mais c'est bon, je suis bien hein, niveau vue, hein, parfait. Mais voilà, j'ai pas que ça à faire, non. Je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à ça, s'intéresser aux vues. Parce que si tu veux vraiment de vues, déjà tu joues que à un seul jeu sur ta chaîne. Voilà, au moins ta communauté elle est pas fracturée.
T'as une communauté qui s'abonne pour un jeu et pas pour je sais pas combien de jeux ce que j'ai sur ma chaîne d'ailleurs. Et puis tu sors des vidéos, je sais pas, tous les semaines, comme ça t'es tranquille, tu sais que les abonnés seront toujours là au rendez-vous. Non, moi je fais pas ça, je suis tout le contraire de cette personne que je viens de décrire, donc forcément voilà. En ce qui concerne les vues, du coup, je sais même pas pourquoi j'ai dérivé sur ce sujet, vu que je devais vous parler de ce que j'allais faire prochainement sur ce Battlefield Hardline, mais c'est pas très grave. Alors déjà, je pense que bah du coup la majorité des vidéos que je vous proposerai seront bah à l'instar d'ailleurs des deux vidéos que je vous propose là, de la dernière vidéo ainsi que celle-ci, seront la plupart du temps je pense en live commentary. Parce qu'en live commentary, t'as pas besoin de préparer un sujet, tout ça c'est plus simple, voilà, c'est plus détente également. Donc je pense voilà, vous proposer plus de live commentary. Essayer de vous proposer des vidéos bien fun aussi, peut-être. Ça reste à voir, ça. Ce serait bien aussi des vidéos en multi. Moi, je connais pas grand monde qui a ce jeu, mais je sais déjà qu'il y a Caroni. Je sais pas s'il serait prêt à faire des petites vidéos avec moi. Peut-être, ça reste à voir. Je sais pas s'il apprécie encore ce jeu, même si je l'ai, j'ai vu y jouer il y a pas longtemps de cela. Donc, je pense que ça pourrait se faire. Je sais pas quoi d'autre. Essayez vraiment, ouais, vous proposer aussi des gameplays un peu avec toutes les armes, histoire de tout montrer cela. Je sais déjà que c'est pas récemment, non. C'est un peu, il y a quand même pas mal de temps, ils ont rajouté des nouvelles armes qui étaient disponibles d'ailleurs pour tout le monde, même ceux qui ne sont pas premium, ce qui est mon cas d'ailleurs. Donc ouais, j'aimerais bien déjà vous tester ces armes peut-être avec vous comme ça en live commentary, un peu comme sur Advanced Warfare quand je découvrais bah, les nouvelles armes qui sortaient. Pourquoi pas vous faire ça sur Battlefield Hardline, même si là, les armes en l'occurrence, c'est vrai, sont sorties il y a quand même pas mal de temps, faut l'avouer. Mais moi, vu que j'ai pas vu vraiment leur efficacité et tout ça, bah j'aimerais bien, quoi, comme ça, en découverte, vous dire mes impressions tout de suite, comme ça. À froid, certes, parce que je vais pas trop connaître l'arme. Des fois, t'as des premières impressions comme ça qui arrivent, et finalement, quand tu joues plus avec l'arme, que tu commences à te familiariser avec celle-là, ton avis peut être complètement différent et diverger d'ailleurs de ton premier avis. Mais tout de même, voilà, ce serait peut-être bien de faire cela. Des petits gameplays thématiques aussi, parce que je me souviens sur la bêta, je vous avais proposé un petit gameplay braquage, là, c'était bien drôle ça. Donc voilà, pourquoi pas vous proposer encore des gameplays thématiques, comme ça pourrait le faire. Pourrait y avoir un petit concept là-dessus. Et voilà, je pense avoir fait le tour au niveau des choses que je pourrais vous proposer sur ce jeu. En tout cas, voilà, je compte cette année. Bah, cette année, non. L'année prochaine, du coup, plus. Hein, parce que là, bah, l'année est un peu finie. Elle est un peu chaos. Vous proposez, voilà, plus de Battlefield Hardline, ça c'est sûr. C'est ma petite résolution. Mais je pense que j'en reviendrai plus en détail dans une vidéo ultérieure. Qui sera bah, ma vidéo spéciale 1500 abonnés. Où je vais vous dire tous mes projets pour 2016, justement. Donc ça viendra du coup. Ça viendra le 31 janvier. Normalement, la vidéo, de toute façon, celle-là sera sortie avant le 31 janvier. Donc, je vous donnerai rendez-vous le 31 janvier pour plus de détails sur ce qui arrivera sur la chaîne à ce moment venu. Donc là, vous voyez actuellement, au niveau du gameplay, je fais du 22-11. Donc, c'est un petit 2 de ratio. Ça passe, c'est pas extraordinaire. Mais pour un début sur Battlefield, je trouve ça très très honorable. Mais on s'approche également de la fin du gameplay. Là, je crois que du coup qu'on était. Je sais pas si on était policier ou les braqueurs. Je ne m'avancerai pas de ce côté-là, peut-être. Non, je ne penche pas d'ailleurs. Mais en tout cas, c'était du coup là les oranges qui gagnent. Donc je crois que je perdais. ouais, je sais pas trop finalement. Je sais pas trop. Ah, attendez, la police, c'est. La police, je sais même pas si c'est les bleus ou si c'est les oranges. Non, la police, c'est les oranges. Et nous, on est les bleus. Donc, oui, je perdais cette fois. Je perdais, pas comme la dernière fois. Mais bon, là, vraiment, de toute façon, quand tu joues en MME comme ça, que t'es tout seul, vraiment, ça dépend pas vraiment de toi, hein, la victoire. Parce que vous voyez, il y a quand même 400 éliminations à faire en équipe. Donc vraiment, si t'es un très très bon joueur, tu vas faire, je sais pas, par exemple, 50 kills dans la game, voilà, par exemple, mais que t'as vraiment des alliés de merde, tu vas pas réussir tout seul, toi, à atteindre les 400 kills. C'est littéralement impossible. Donc voilà, en tout cas, pour cette vidéo de Battlefield Hardline. Je sais pas comment je vais l'intituler, mais je verrai. J'espère, en tout cas, que cette dernière vous a plu.
Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça me fera extrêmement plaisir. Et on se retrouve du coup prochainement pour une nouvelle vidéo sur ce jeu. Allez, bye tout le monde! Oh yeah!